Salut à tous, c'est Valentin de chez Val Racing. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto MX Moto Blues, on va voir ensemble comment changer ses joints speed fourche aujourd'hui sur une 250 YZF. Tout d'abord, il vous faudra des joints speed, des caches poussières, une clé spécifique à votre fourche, de l'huile de fourche, une clé 17, tournevis plat, de la graisse cuivrée, un marteau qui servira à replacer les joints spi, du scotch d'électricien, un verre-doseur, un bac de vidange, une clé de 22 pour démonter votre roue, enfin une clé en T pour démonter votre fourche. Pour ce tuto, nous allons vous expliquer la manip sur un seul tube de fourche. Il faudra bien entendu réitérer l'opération sur le second. Au préalable, il vous faudra démonter la roue avant, puis retirer le premier tube de fourche. Desserrez le bouchon de fourche. Si vous n'y arrivez pas, replacez la fourche juste au niveau du T inférieur, resserrez-le et desserrez votre bouchon de fourche. Démontez la protection de fourche. Une fois le bouchon de fourche ouvert, retournez le tube au-dessus d'un bac de vidange. Desserrez l'écrou inférieur de 17, comprimez la fourche par le haut afin de faire sortir la cartouche vers le bas et bloquez-la avec la clé spécifique. A l'aide d'une clé plate de 17, vous pouvez maintenant débloquer l'écrou et le contre-écrou et libérer la fourche. Retirez la cartouche au-dessus du bac de vidange. A l'aide d'un tournevis, décalez le cache-poussière et retirez le clips qui maintient le joint en place. Donnez des à-coups pour déboîter le joint spi de la fourche. Démontez l'intégralité des bagues, contrôlez leur état, puis nettoyez le tout avant le remontage. Nous allons maintenant passer au montage du joint neuf. Il existe un code spécifique qui permet d'introduire les joints sans les endommager. Si vous n'en possédez pas, quelques tours de scotch d'électricien protégeront cette pièce très fragile pendant la mise en place. Replacez l'ensemble des joints ainsi que les bagues dans l'ordre inverse du démontage. Mon conseil, n'hésitez pas à enduire le joint spi de graisse pour faciliter son installation. Pour introduire le joint spi, il est nécessaire d'utiliser le marteau à joint de la bonne taille. Dans notre cas, il s'agit d'une taille 47-48.
replacez la cartouche et resserrez l'écrou de 17. Vous pouvez maintenant réintroduire l'huile dans votre fourche. La quantité d'huile est notée dans le manuel technique du constructeur. Utilisez un verre doseur pour éviter le gaspillage. Refermez le bouchon fourche. Il ne vous reste plus qu'à remonter votre tube de fourche, puis reprendre à l'étape 1 avec la seconde fourche. Lorsque vous avez terminé et que le second tube de fourche est remonté, vous pouvez remettre votre roue avant en place. N'oubliez pas de resserrer le tout à l'aide d'une clé dynamométrique et de réarmer votre frein avant de partir rouler. Ça y est, maintenant vous savez changer vos joints speed fourche vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. On se retrouve très bientôt dans les nouveaux tutos MX Moto Blues.